Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air. Ouais, j'y pense des fois, les jours se ressemblent, comme ma fille et moi. Allez chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Dis bonjour aux voisins, au revoir connard. Toujours bloqué dans la circulation, stimulation, agression, allez avance pauvre con. Qu'est-ce qui t'arrive papa, dis-moi pourquoi tu t'énerves. Je l'entends pas aujourd'hui, je suis coincé dans un rêve. Allez mon ange, sois sage et passe une bonne journée. Ma propre hypocrisie commence vraiment à me saouler. Youhou, maintenant direction le taf, l'éclate. Un lapin dans un clapier, 8 heures derrière un clavier. Ça fait 2 semaines que j'essaye de parler à mon patron. Je l'imagine souvent le soir découpé dans des cartons. Monsieur, pour mon augmentation, on en parlera plus tard. Dire que ça fait 15 ans que j'enfile ce putain de costard. Après j'irai chercher ma fille comme toujours. Je ne vois que l'ennui, où est passé ma vie, où est passé l'amour. Ce soir, la même bouffe de supermarché, haricots verts c'était caché, on fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé des textos dans son téléphone. C'est pas la fin du monde, ça fait 2 ans qu'elle me trompe. Moi comme d'hab je dis rien non, comme d'hab je suis à fond. Ce monde est trop pourri pour ma fille, j'ai honte la routine. Le premier jour comme le dernier. Attends mais y'a pas un fusil dans le grenier. Le taf, l'angoisse, la vie, l'ennui, le temps qui passe, routine, ennui. L'amour, la mort, les rêves, l'envie, photo, sourire, encore la vie. Le stress, le noir, les larmes, les cris, les klaxons, les sonneries. Je crois que ce soir je vais faire une connerie. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de l'incident d'hier soir. Oui. Vous connaissiez le voisin? Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui? Sur lui? Je suis encore sous le choc étant donné que c'était un père exemplaire, voisin charmant, attentionné, un type normal, non rien de louche, qui ferait même pas de mal à une mouche. J'entendais chanter sous la douche, il m'aidait à descendre mes courses, un gars ordinaire, discret, sans histoire. Y'a ma maison à la télé, tout ça difficile d'y croire. À la radio c'est dingue, il parle de flingues, de rideaux en sang. Dire qu'on avait passé le dernier nouvel an ensemble. On parlait bricolage autour d'un verre, trinquant notre santé. Un monsieur tout le monde, et personne s'y attendait. Et à propos de l'incident, vous pouvez nous raconter ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu? Il a tué sa fille et sa femme, enfin sa femme en premier. On parle de fusil et d'idées noires dans le fond de son grenier. J'entends encore le bruit, les cris, c'est pire à chaque seconde. 3 tombes pour un monsieur tout le monde. Voisin assassin en pliant 4 fois sur la gâchette. Les volets fermés, oui le drame s'est passé en cachette. J'ai entendu un bam, on venait de quitter la table. 22h32, une balle, celle qui a tué sa femme. Il se fâchait pas mal, j'ai pensé à une dispute banale. S'enchaîne un coup machinal, le calme puis la balle finale. Un coup de fil, la police débarque, les chaînes télé défilent. On me demande des infos sur le barge, un peu comme dans les films. On a retrouvé le corps de sa fille tout près du sien. Dire que j'ai vu ce type pleurer à la mort de son chien. Ma femme ne parle plus depuis qu'elle a su la nouvelle. Elle a croisé son regard hier soir en sortant la poubelle. Toujours souriant, un gars sympa qui habitait à 2 pas. Je suis sûr que les autres voisins disent la même chose de moi. Il me ressemble, la voiture, la femme, la belle-mère, les soirées à table. Le canapé, les films banals, le pain pour le canard du canal. Le chien, le putain de nain, le jardin, la terrasse au soleil. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil? Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air.